بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Toujours dans la série تاع le texte historique, on va faire ensemble aujourd'hui. Donc, on va voir ensemble l'étude d'un texte toujours historique. اليوم, on va se concentrer sur une visée communicative. راح تكتشفوها tout au long du texte. Jusqu'à maintenant, on a vu comme visée communicative informer, on a vu rendre hommage. Dans ce texte-là, Rahin Choufou, la troisième visée communicative. Bon, les élèves, les ma'afouch, qu'est-ce que ça veut dire une visée communicative? Il y a le hedef, tu as le kateb. Tout le kateb, lorsqu'il rédige un texte, il y a un hedef, منورا كتابة النص هذاك لا فيزي كومونيكاتيف هذه نسميوها لوبجيكتيف تاع لوتور من لا ريداكسيون تاع لو تيكست نسميوها لو بوت ايغالمون دونك هذه لا فيزي كومونيكاتيف دونك لا فيزي كومونيكاتيف ولا لوبجيكتيف ولا لو بوت تاع لوتور اللي من خلاله كتب النص هذاك دونك تختلف حسب نوع النص دونك اليزي بور نو با تاردي ديريكتومون اوبسيرفي لو تيكست اليزي اون فا كومونسي par le premier paragraphe. Donc, originaire de La Rochelle, dans le sud-ouest de la France, le jeune Noël, appelé sous les drapeaux, avant le déclenchement de la révolution algérienne en 1954, il effectue son service militaire à Skikda. Donc, on est en train de parler de qui? Donc, on est en train de parler, vous avez un nom. Noël, c'est le jeune Noël. Noël, c'est un nom. Donc, Hedda Noël, regardez le jeune, c'est-à-dire il était Ken Cheb. Très bien. Le jeune Noël, c'est quoi? Originaire. Originaire, c'est quoi? Donc, originaire de La Rochelle. La Rochelle, Hedda, c'est un CCL. Dans le sud-ouest de la France, c'est-à-dire il était un Français. Hedda le jeune Noël, il était appelé. Oui, sous les drapeaux, sous les drapeaux, bien sûr, français, avant le déclenchement de la révolution. Donc, avant, le déclenchement, ça vient du verbe déclencher, la révolution, qu'est-ce qu'on a dit? Al-Tawra, algérienne, en 1954. Oui, donc la révolution تاعنا الثوره الجزائريه الاندلاع تاعها وقتها c'était en 1954. Très bien. Il, شكون il هذا؟ C'est le jeune Noël. Oui, donc il هذا على من يرجع؟ يرجع le jeune Noël. شكون اللي قاعد يهضر عليه؟ قاعد يهضر عليه الكاتب. الكاتب شكون؟ الكاتبة حسينة عمروني. صدير هنايا على من قاعدة تهضر؟ قاعدة تهضر على لو جون نوال. كي تهضر عليه تستعمل الإيل. دونك راح تزيد تمد لنا معلومات خلاف عليه. كاسكو إل فادير؟ راح تقول إيل إيفيكتو. إيل إيفيكتو سون سيرفيس ميليتير. يعني دار قام بالسيرفيس الميليتير، سيرفيس الخدمة العسكرية تاعو. هذا لو جون نويل وي لو فرونسي هذا وين قام بالخدمه الوطنيه تاعو للعسكريه دونك قام بالخدمه العسكريه تاعو وين اسكيكتا بيان بون دونك ici c'est une autre idée vous avez un point les algériens qui vivent sous le joug les algériens راح تهضر دركا على لو كوتي الجيريان les algériens les indigènes وي Donc, qui vivent, vivent, c'est quoi? C'est les Aïchen, donc Aïcha, vivre. Aïchen sur, donc tête, sous le joug. Le joug, qu'est-ce que ça veut dire? Le joug, c'est l'isti'bad. L'isti'bad, l'ouboudia. Sous le joug, l'asservissement, kif-kif. Donc, l'isti'bad, ça vient du verbe asservir. Donc, ça vient du verbe asservir. Bon, donc, les Algériens, les Aïchines, déjà, تحت l'isti'bad, يعني le joug, ou là, l'asservissement. L'asservissement, termin, تاع le colonialisme, تاع المحتل, تاع l'isti'mar. Depuis, mundo, plus, أكثر d'un siècle. Un siècle, qu'est-ce que ça veut dire? قرن. Déjà, connaissent
Connaître, ça vient de quel verbe? Connaître. Hna msarfa quel temps? Connaître, regardez. ENT. Sarfouhouli, bon, ici c'est quel temps d'abord? C'est le présent. Sarfouhouli, tu as le verbe connaître au présent. Qu'est-ce que je vais dire? Je connais. Tu connais, il connaît. Hey, nous connaissons. Vous connaissez, il ou elle connaissent. Regardez. Hnaya, gada, t'stamel hnaya, le temps verbal. Le temps verbal, c'est le présent. Hna, le présent, on l'utilise. Est-ce qu'on peut l'utiliser d'abord dans un texte historique? Oui. Kun stamlo, le présent dans un texte historique, hnaya. Est-ce que nqsdo bih la valeur, hadik li nعرفوها hnaya, ki nstamlo le présent? Non. Hnaya, la valeur taou, l'qima taou le présent, هذا اللي مستعمل في النص التاريخي هنا قيمته سي ان بريزون هيستوريك ولا بريزون دو ناراسيون هضرنا عليه دونك هادو الجزائريين يعرفوا توت لي فورم دو بريفاسيون اش معناتها فورم اليزي فورم شكل لي فورم الاشكال دونك الجمع دونك توت جميع اشكال بريفاسيون بريفاسيون سا فيان دو كيل فيرب سا فيان دو فيرب بريفي privé. Je mets ça privé, je me prive. Je me prive pour. Oui. Donc, privé, l'hirman. Donc, et d'injustice. Injustice, c'est le contraire de quoi? C'est le contraire de la justice. Justice, l'adala. L'injustice, l'axtaha. Donc, l'axtaha, oui, dolm. Donc, ainsi, plonger. Regardez plonger, باش يخلص يخلص بالاي على من قاعدين نهضروا هنايا شكون اللي بلونج هنايا اللي بلون سادير كي ا بلونجي ici c'est qui c'est le jeune Noël regardez vous avez un e plonger au cœur في قلب la société المجتمع algérien الجزائري donc madame il est en train de faire le service militaire تاعو قلنا راح دارو في سكيكتا وي وفي الوقت هذاك les algériens كانوا عايشين في الاستعباد Oui, أكثر من قرن connaissent. شكون اللي connaît هنا le ENT c'est qui علم من قاعد يهدر connaissent ENT c'est le pluriel c'est qui c'est les Algériens. هادو الجزائريين يعرفوا جميع أشكال الحرمان والظلم. Donc بما أنه il est plongé في قلب المجتمع الجزائري. Oui, Noël Favrelière هم درنا الاسم تاعو كامل. نوال فافغوليير حتى لدركا المعلومات اللي مدينا عليه صادير لي سوبستيتيو ليكسيكو كي نو زافون يوتيليزي سي كوا عندي لو جون نوال عندي لو اي وعندي نوال فافغوليير وي دونك نوال فافغوليير ديكوفر سي كوا ديكوفر جي ديكوفير دونك يكتشف واش اكتشف افيك اورور نقولوا فيلم دورور رعب اكتشف برعب Oui, le sort. C'est quoi le sort? Masser. Le masser. Zimahara le masser. Le sort, c'est un nom. Rahinosfo, inhumain. Inhumain, c'est le contraire de humain. Humain, insani. L'axteru, rire, insani. Le sort, rire, insani. Infligé. Infligé, c'est quoi? Les Fourida. Fourida. Par son pays. Je mets ça un pays. Un pays, je connais le pays, le bled, le bled. Oui, Kingoulou, les Florida par son pays, yani par le pays, termine. Regardez, son, c'est un adjectif possessif. Hna, yani le pays, le milkiya taou, chemin pronom, c'est madame hatena son. Oui, c'est il ou elle, yani hada le pays, taou, houa, hiya, le men gadin hadro hna, yan hadro le jeune Noël. Donc, le sort inhumain, le masser l'air insani, les Florida, min tarf bled ouhou, yani le bled ta, le Noël, le français, oui, à la population indigène musulmane. La population cheb indigène, ikhigouna, les indigènes c'est qui? Ikhig, c'est les vrais habitants d'une région. Soukel asliyin, le muslimin. Bien, choqué par ce qu'il a vu, il était choqué. Regardez, choqué, kifesh tkhallas. Choqué, et, hna chkon, c'est qui c'est? Toujours Noël. Choqué par ce qu'il a vu, qu'est-ce que ça veut dire? Il a été choqué. Bchil li chefou, il, c'est Noël, a vu. Oui? Il en parle. Hadar, hadar alih, bchil li chefou, hadar alih, avec ses amis. Ma'a,
regardez, amis, ses amis, أصدقاء. مادام حطينا السي يعني الأصدقاء هادو تاع من تاعو هو، وي الملكية تاع إيل ولا. مادام حطينا سي دونك رانا ما بين الشانس سي، دونك ici le nom ici à côté c'est la possession du pronom personnel le il ou elle. والإيل هنا على من قاعدين نهضروا؟ قاعدين نهضروا على لو جون نويل. تري بيان. دونك ابخي بعد بعد 1954 il dit même et dit يقول même. regardez deux points deux points وعندي une phrase حطيناها entre regardez guillemets c'est-à-dire هنايا كنحطوا une phrase entre guillemets واش راح يمدوا راح يمدوا قول هنا القول تاع من تاع le jeune Noël c'est-à-dire هو اللي راح c'est-à-dire il va donner une parole ici très bien. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Si j'étais algérien, si kunjit un algérien, le jeu hada. Le jeu hada ta'men, c'est le jeu ta' Noël. Chkoun li gadi yhedr hnaya? C'est Noël. Donc Noël qui yhedr ala rouhou. Qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser le jeu, c'est-à-dire houwa li gadi yhedr. Oui, houwa li gadi yhedr dans le texte. Donc c'est un témoin. Donc, madame ou un témoin qui habite à la roche, il me donne une idée oui, qui le concerne. Donc, il va utiliser le jeu. Qu'est-ce qu'il va dire? Si j'étais algérien, conjit jazeri, je, c'est un flega. Flega, nous avons dit que ce sont les combattants. Oui, rahm el muharbin. Muharbin, dit muhtel muayen. Voilà, rahi kilma, kent mustamala, flementeka, ta'al el maghreb l'arabi. Très bien. Allez-y. Si je veux récapituler un petit peu le premier paragraphe, regardez. Qu'est-ce que j'ai? On dit le je. On dit le il. Regardez. On dit il. How il. On dit le il. Hna. Oui. On dit c'est. On dit sans. Oui. C'est-à-dire, on dit deux types de pronoms. Donc, on a le il ou les adjectifs possessifs tel ou c'est sans ça c'est. Donc, regardez. عندي الإيل وعندي لي زاجيكتيف بوسيسيف تاعو سون سا سي عندي هذا الاول وعندي الثاني عندي لو جو دونك ريغاردي هذا لو إيل وي شكون اللي استعمل لو إيل سي كي سي لوتور كي تهضر على نويل فافوليير تستعمل صيغه الغائب تقول تستعمل لو إيل هو وي ou le jeu hada qui utilise le jeu c'est Noël Favrelière très bien donc bien allez-y on va voir le deuxième paragraphe envoyé en Algérie envoyé regardez et c'est toujours chkoun li bou'itha envoyé bou'itha envoyé en Algérie donc c'est toujours le jeu Noël il houa donc chkoun li gadi yhedr hada hnaya il c'est Hassina Amrouni. Donc, qu'est-ce qu'elle va dire? Envoyé en Algérie, qui est l'Algérie, il prend part, c'est-à-dire il prend part, il participe, cherche à des opérations, amaliyat, l'ratissage, ça vient du verbe ratisser, je mets ça l'ratissage, tamchet. Dans la région, dans la région de Bouira. دونك كي يبعثوه للجزائر شارك في عمليات هادو تاعوه تاع الغتيساج تمشيط وين سي دون لا ريجون دو بويرا دونك كي شارك في العمليات هادو تاع التمشيط في بويرا لو جون سوز اوفيسي ريغاردي الي طون تران دو شانجي ان تي بو ا شاك فوا كي تهضر عليه تستعمل دي تيرم ديفيرون وي دونك هنا دي فوا سي دي سوبستيتو ليكسيكو دي فوا سي غراماتيكال اليزي. Donc, le jeune sous-officier, est offrant. Le jeune sous-officier, oui. Donc, il voit. Donc, c'est toujours lui. Non, c'est l'auteur qui est là. Donc, madame Orahou Filjibha, donc, chef, il voit de près un corbe. Qu'est-ce qu'il a vu? Toute l'abjection. Abjection, c'est quoi? Le mahana. Encore, l'inhitat. Oui, حاجه ما نقدروش نصوروها. Donc toute l'abjection de cette guerre. Cette
Oui, un adjectif démonstratif de cette guerre. Et il se pose des questions. Shkoul il, c'est toujours lui. Il se pose, oui, des questions. Regardez, Andy des guillemets, regardez. Je ne comprenais pas, regardez, je. Hadou les guillemets, qu'est-ce que ça veut dire les guillemets? Regardez, regardez, ham les guillemets, hatta lehna. C'est-à-dire, hana, hada le passage. Madame, hattaïna haka entre guillemets, qu'est-ce qu'on va donner? On va donner une parole. Rahim meddou qawl. Le qawl, hattaïna entre guillemets. Hada le qawl, rahikoun ta'a le jeûne Noël. Bon, fil qawl hada, j'fout damer l'istamlou, stamel le jeu. Donc, hana y'a le jeu hada ta'amen, le jeûne Noël favrolière. Rahi hadar, ala rohou. Donc, rahigoul, ana. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Regardez le verbe comprendre, msarraf l'imparfait. Je ne comprenais pas, mais quand je ferme, que seulement quelques années après s'être libéré des Allemands, c'est-à-dire quelques années, qu'étharrna, mais les Allemands, qu'étharrna la rohou. On a eu l'indépendance, tharrna, mais l'Allemagne. Après s'être battu, se battre, le comme l'ont fait mon père et mes oncles, par exemple. C'est-à-dire quelques années après s'être libéré des Allemands, qui les Allemands, les Français, qui m'a قام بالقتال هذا شكون اللي قاتل مثلا مدنا المثل تاع باباه لو بير تاع نويل فافغولييغ وي وعمومو قال لك كونتر لي زالمان قاتلو ضد الالمان وي علاه باباه وعمومو قاتلو ضد الالمان علاه باه يتحصلوا على الحريه تاعهم دونك هنا شكون اللي قاعد يهدر قاعد يهدر نويل فافغولييغ قال لك ما فهمتش حنا تاني اون افي سا صديق عمومي بابا اون افي سا اون افي لا غير كونتر لي زالمان دونك اون انفوا دي جون زيديو نبعت يبعتو دي جون زيديو امبيسيل وي دو مون اسبيس قال لك كيما انا دونك سي نوال فافغولير اللي قاعد يهضر سو باتر كونتر لي جون كي فولي لا ميم شوز قال لك ما فهمتش كيفاش في لا بيريود تاع الحرب تاع فرنسا ضد الالمان باباه وعمومه قاتلو ضد لي زالمان سي كوا لو بوت لوبجيكتيف سي لا ليبرتي سي لانديبوندونس دو لا فرانس قال كيف حنا خدمناها حنا قاتلنا عدو باش نتحصلوا على الاستقلال كيف كومون سا سفي الحكومه تاعنا تبعت دي جون شبيبه هكا ايديوت وي امبيسيل قال لك كيما انا يقاتلوا ضد اشخاص حابين نفس الشيء نفس الشيء استاذ هما تاني حابين الحريه دونك هذه قاعد يتساءل هنايا دونك او كور دون دي زوبيراسيون او كور دون دي زوبيراسيون في واحد من العمليات اللي قام بها العمليات العسكريه سا كومباني on dit la compagnie, il y a une jumeau, un jour, une jumeau, ça, regardez ça. Une compagnie ou la une compagnie, une compagnie, c'est quoi la compagnie? Il y a une jumeau, ça, oui, se rend coupable, oui, elle était coupable, responsable de quoi? Du meurtre, d'une petite fille, Tflasrera, de 7 ans. صادير كان هو مع المجموعه تاعو هذه العسكريه وي وفي المجموعه هذه كاس كي زون في اي زيتي ريسبونسابل في القتل تاع طفله صغيره تاع 7 سنين دونك سو سورا با لا سول اكزاكسيون كوميز بار لارمي فرونسيز كونتر لا بوبولاسيون ديموني قالنا سان سورا با لا سول اكزاكسيون ما راهيش ليكزاكسيون سي كوا ما راهش هذا برك العنف العنف Oui, je peux dire l'exaction également, l'abus. Donc, par l'armée française. Donc, l'armée, c'est quoi? Le djish, le français. Contre, c'est quoi? D'autre, la population. La population, chèb.
Démuni, démuni, ça vient du verbe démunir. Démunir, qui veut dire quoi? Qui veut dire dénué, privé, déshérité. L'extérieur riche, c'est-à-dire contre une population démunie, les défavorisés. Oui. Donc, pour le jeune sous-officier, بالنسبة le jeune sous-officier, c'en est trop. Bzef, c'est trop. Chez l'échafaud, c'est-à-dire, c'était le top. Il dit même, il, regardez, c'est l'auteur. Donc, c'est Hassina Amrouni. Geltz, il dit même, Yaqoul. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Zoujoukot, ou Reha, tchat, des guillemets. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Reha, tmedli, la parole, ta'ou. Regardez, la parole, hadi, la parole, ta'ou, Noël Favrelière. Donc, regardez, qu'est-ce qu'elle a utilisé? Il a utilisé le jeu. Wishgel, j'étais absolument contre cette guerre. J'étais, kunt, absolument, qat'ayen, contre, dout, hati, l'harb. Wishmedna, hnaya. Kingul Anna contre le Hajahadi, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné un point de vue. Un point de vue, Al-Harb tel Jazair. Il a dit, moi je suis contre cette guerre-là. Allez-y. On va terminer avec le dernier paragraphe. Donc, à l'aube du 19 août 1956. Donc, qu'est-ce qu'on a donné ici? On a donné une date. Qu'est-ce qu'on va donner après? Après la date, généralement, on va donner un événement. Oui? Donc, Noël Favrelière, est chargé, oui, Moukellef, oui, qu'il faut, de surveiller, Yahros, un prisonnier, regardez, un prisonnier, yani, un prisonnier algérien, Mahbous, oui, c'est Jean. Donc, algérien dans l'exécution. Qu'est-ce qu'on a dit sur exécution? Ça vient du verbe exécuter, exécuter. Qatala, adama. Donc, dans l'exécution est imminente. Imminente, imminente, yani proche. Yani, être sur le point. Bon, on va récapituler ceci, allez-y. Donc, Medina, une date. Qu'est-ce qu'on va donner après? On va donner l'événement. Donc, Hana Noël Favrelière, qu'il faut de faire quoi? Yes, un prisonnier. Le prisonnier Hada, il est algérien. Hada, le prisonnier algérien. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? C'est-à-dire, l'exécution, ça vient du verbe exécuter. Adama est imminente. Donc, Noël Favrelière, Hada, ne peut laisser. Peut, ça vient de quel verbe? Pouvoir. Donc, il est conjugué à quel temps? C'est le présent. Gelna, Geltna, Noël Favrelière, mais il peut laisser ce jeune Moujahed. Yani, je compte ce jeune Moujahed. Moujahed, c'est le révolutionnaire. Ce jeune, il était jeune. Oui, yani, il est le prisonnier Sajin Jazairi. Oui, il a substitut lexical khlef, pour éviter la répétition. قال لك نوال فافغولير ما يقدرش يخلي هذا المجاهد وي سو فير توي يقتلوه دونك إل ريغاردي شكون اللي قاعد يهضر هنا سي لوتور تهضر عليه تقول هو إل برون لا فويت هرب هرب دو كون وي اون كومباني اون كومباني ستادير وكان معاه هذاك لو بريزونيي الجزائري اي برون ريغاردي سي توجور لو بريزون. Il prend les armes. C'est quoi les armes? Slah. Slah, l'asliha. C'est l'asliha ta'o. Avec lui, ma'ah. Pendant près d'une année, hawali, am, oui, Noël, hada Noël, on va t'hattina ism, hana, ism hattina entre guillemets, hana, hadou smo, Nourdin, c'est son nom de guerre, l'ism ta'o ta'alham. Favrelière luttera. Luttera, ça vient du verbe lutter. Kafaha. Donc, Favrelière luttera au sein du FLN. Il est condamné. Il, regardez, c'est toujours Hassina Amrouni. Il est condamné à mort. Hukima alayh bil i'dam. Par contumace. Contumace riyabi. Wukta en 1959. Bien. La dernière date, en 1966, oui, Medina, une année, qu'est-ce qu'il va y avoir après? Il va y avoir l'événement. Il,
Donc, c'est toujours l'auteur Tadralé. Il est enfin, akhiran, amnistié, l'afou, oui, de ses faux mais les deux condamnations, Tihamat, les zouj, les deux condamnations à mort. Condamnation à mort, le donc, ce qui lui permet. Donc, de retourner en France. En France, en 1966, c'est-à-dire après la liberté, la liberté ou l'indépendance de l'Algérie. Très bien, allez-y, on va commencer les questions. Allez-y. Bon, vous avez la première question. Ce texte fait l'objet. Donc, ce texte fait l'objet d'un témoignage d'un ancien militaire français ou là, des aveux d'un tortionnaire français. Une confession d'un parachutiste français, l'enfance de Noël Favrelière. Bon, ou un détail, le E, c'est la désertion de Noël Favrelière afin de rejoindre le FLN ou l'emprisonnement de Noël Favrelière. Là, la question, c'est quoi? On va dégager les deux bonnes réponses. Allez-y, témoignage, ça vient de quel verbe? Témoigner, je mets à témoigner. Shahada, shahada. Donc le texte, est-ce que Rah Shahada, c'est un ancien militaire, Askari, ancien, Gdem, français, est-ce que c'est ça? Est-ce que Rah Shahada, c'est un ancien militaire français? Oula, les aveux, Atirafet, Atirafet, d'un tortionnaire, tortionnaire, le verbe torturer, c'est la torture. Le tortionnaire. Donc, les aveux à Tirafet, c'est un tortionnaire, c'est-à-dire, c'est un mouaddib français. Ou là, une confession, kif-kif, à Tiraf, un parachutiste, parachute, oui, français. Donc, est-ce que c'est ceci? Ou bien, on a un autre. Regardez, la désertion. C'est quoi la désertion? Rien, ça vient du verbe déserter. Ça vient du verbe déserter. Déserter, rien, le horob, yajar haja, l'inchikak. Oui, donc la désertion de Noël Favrelière. Déserta, c'est-à-dire harb, le côté ou le côté français, le camp français. Oui. Afin de, qu'est-ce que je vais donner ici? Le but, afin de rejoindre, yeltahq blafalan. Harb, il a déserté, inshaqa, irtada, hajara, le camp français, camp militaire français. Le but, ta'oub, yeltahq blafalan. La dernière, l'emprisonnement, ça vient de la prison. X est emprisonné. Qui m'angoule au Sijen. Est-ce que vous avez dit le Sijen de Noël Favrelière? Donc, les deux bonnes réponses, c'est quoi à votre avis? Allez-y. Donc, c'est quoi? Donc, les aveux d'un tortionnaire? Non. La confession d'un parachutiste? Non. Est-ce que vous avez dit l'enfance de Noël Favrelière? Non. Est-ce que allez-y. Vous avez. Cette phrase, la désertion de Noël Favrelière afin de rejoindre le FLN. Oui. Est-ce que la Noël Favrelière, non. Donc, Hadi, le E. Et vous avez également, oui, Hadi, la première. Très bien. Allez-y, on va voir la suite des questions. Bon, la deuxième question, vous avez des dates. Donc, vous avez des dates. Complétez ce qui suit en relevant les événements qui marquent chaque date. 1956 ou 1966. Donc, 1956. Allez-y. On va la chercher un petit peu. Allez-y. 1956. 1956. Où est-ce qu'elle est? 1956. Strajolitra l'événement. Allez-y. 1956, c'est quoi ça? Donc, non, il est chargé de surveiller un prisonnier. Hé, Humbert, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, l'action ou l'événement, c'est quoi? Il prend la fuite du camp. Harb, le camp.
هذه هي لاكسيون اون كومباني دو بريزوني الجيريان دونك هذه هي لاكسيون لورسكو فو دوموند دو ديجاجي لي زيفينمون مش لازم كي مدوا لكم باغ اكزومبل هاي لا دات مش لازم ليفينمون يكون ديريكتومون ابري نو هنا سي لي انفورماسيون كون ا دوني دابور نويل ريغاردي لا فراز اللي كاينه من ورا لا دات اللي مدوها لكم ما راهيش ايفينمون مدوا لكم معلومات برك قالوا لكم نويل فافغولير مدينا له المسؤوليه باه يعس ان بريزونيي وي دونك il y a pas l'action dans l'exécution oui when il y a où est-ce qu'elle est l'action c'est là il prend la fuite harb qui ngolo harb du camp c'est un militaire donc il a déserté donc hadi c'est le 56 ensuite on a la deuxième date c'est 1966 ha c'est une année Medina 1966 allez-y meddou li l'événement si vous avez compris oui donc hai amnistié il est amnistié de ses deux condamnations à mort très bien ce qui lui permet de retourner en France donc qu'est-ce qu'on va dire allez-y donc 1956 c'est la désertion de Noël Favrelière le but pour rejoindre la FLN oui au 1966 c'est quoi amnistie et retour de Noël Favrelière en France voilà allez-y 3 quelle était l'opinion de Noël Favrelière à propos de la guerre l'opinion c'est quoi ici c'est le point de vue ra'i ou chi l'opinion ra'i ta Noël Favrelière بخصوص الحرب point d'interrogation, relevez une phrase dans le texte qui confirme votre réponse. Qui a donné le ouais? Qui a donné? Mais donnez le texte, le texte, ra'itaru. Qui gèle où est-ce qu'elle est? C'est dans quelle partie? Regardez, là. J'étais absolument, yani bidoun niqash, contre, j'étais contre cette guerre. Donc, il était contre la guerre. Allez-y. Andy, le 4. Les gens qui voulaient la même chose. Regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait. Regardez. Hi. Les gens. Regardez. Zuhelkum haka mnus. Htuhelkum. Donc, hi la phrase. Donc, Zoha, regardez, les gens qui voulaient la même chose, Hattoha entre guillemets, ou Medgalkum, de quelle chose parle le témoin? Ou chi la chose, Hedi, de chi Heda, les gars dit Hadra les témoins. C'est quoi cette chose? C'est la liberté. C'est la liberté. Encore, l'indépendance. La liberté, l'hurriya, l'indépendance, l'istiklal. Allez-y, 5. Noël Favrelière est condamné à. بالموت par contumas ou que في عام 1958 le mot souligné هذا contumas veut dire هنا c'est une question telle que CM ديما كي مدو لكم une question telle que CM روحوا طول شوفوا la question est-ce que راح نقول لكم relever une bonne réponse ou l'aide de donc essayez de faire attention à la question la consigne هذه donc contumas condamné à mort par contumace. Contumace, c'est riebe. Donc, c'est en son absence. 6. L'adjectif amnistié. Regardez. Amnistié. En 1958, en 1966, il est enfin amnistié de ses deux condamnations à mort, ce qui lui permet de retourner en France. Donc, عندي amnistié cela signifie dans la peine العقاب est annulée ulra dans la peine العقاب est maintenue c'est-à-dire khlina dans la peine العقاب est exécutée nufida à votre avis c'est quoi oui donc l'adjectif amnistié il est donc annulé la peine est annulée très bien allez-y 7 Si j'étais algérien, je serais flaga. Cette phrase veut dire
Donc, nous devons faire 1, 2, 3. Nous allons retourner, nous allons la question. Choisissez la bonne réponse, c'est-à-dire qu'il y en a une seule, Frida. Bon, si j'étais algérien, je serais filaga. Donc, yani, cette phrase veut dire Noël Favrelière pensait que les Algériens étaient tous des filaga. Donc, Noël Favrelière, qu'en est-on, les Algériens, qu'en est-on, filaga. Nous avons dit filaga, c'est des guerriers, c'est des combattants. Donc, Noël Favrelière pensait qu'il était normal d'être filaga. Ou bien, Noël Favrelière pensait que les filaga avaient tort, qu'ils étaient à la khata. Tort, l'accès aux raisons, avaient tort de s'attaquer, contre les Français. Donc, à votre avis, la bonne réponse, c'est le B. Très bien. Bon, le 8. Noël Favrelière découvre avec horreur donc le sort inhumain. Donc Noël Favrelière yektchef avec horreur rعب rعب le sort masir la insani infligé par son pays à la population d'ot le chaib aljazairi. Relevé dans le texte de forme. On va relever dans le texte deux formes. Je mets sa forme. Ashkel. De cette violence, c'est quoi la violence? L'ulf exercé. L'immerset. Donc exercé. Le mot l'été. Moriset. Je ne sais pas comment on le dit en arabe. Exercé, c'est-à-dire on l'a fait, on l'a réalisé, on l'a accompli par le colonisateur. Très bien. Allez-y. Les deux formes de cette violence, à votre avis. Allez-y. Qu'est-ce qu'on peut dégager? Qu'est-ce qu'on a regardé déjà? Regardez, les formes de privation, hermen, l'injustice. Oui, déjà on a ceci. Oui, qu'est-ce qu'on a également? Le ratissage. Oui, tmshit, rah unf. Oui, donc, allez-y, déjà, donc, on a la privation. Encore, on a l'injustice, on a le ratissage. Bon, on a un athlète, on a un zouj, donc, on a deux formes, ne mettez pas plus. 9. Chercher dans le texte la raison pour laquelle Noël Favrelière a été condamné à mort par son pays. Donc, on cherche dans le texte la raison. Sebeb. L'ibsebto, oui, pour laquelle Noël Favrelière a été condamné. Hukima alih bil mout min taraf l'belet ta'ou. Donc, chi sebeb. C'est parce qu'il a déserté, oui, ou aoun hadak le jeune Mujahid à fuir. Donc, là, c'est pour avoir, qu'est-ce qu'on va dire? C'est pour avoir déserté et avoir rejoint le tahaq, rejoint les rangs, un rang, une rangée, les rangs, yani, sofouf, lefelen. Très bien. Bon, andi, que remplace les pronoms soulignés dans le texte? Bon, les pronoms, qu'est-ce qu'on a? On dit « son ». Le service militaire, « ta'ou »,« son ». Je connais le service militaire, « ta'men »,« ta'houa ». Je connais « houa », c'est le jeune Noël. Ou la Noël Favrelière, très bien. Le « qui ». Ou je connais le « qui », que, le « qui », le « que », le « dans », le « où ». Hadou smina des pronoms relatifs, il y en a encore, il y a plusieurs. Oui, hadou les pronoms relatifs, oui, yaoudou l'ism l'iqbilhem ba'd. Oui, donc hna le qui, hna qui vivent. Donc c'est quoi le nom? C'est les Algériens. Très bien. Qu'est-ce qu'on a également? Andi le EN, il en parle avec ses amis. Yahdar. مع أصدقائه على واه على شكي لعفو الشي اللي شافو très bien encore jeu هذا le jeu تعمل c'est le jeu تاع نويل فافرولير bon عندي le on
Le on, on. Je t'en fous la on. Grammaticalement, c'est quoi? C'est un pronom indéfini. Le verbe, qui est un verbe qui est le verbe, c'est comme si c'était il ou elle singulier. Oui? Donc, le on, il essaye de se cacher. Donc, l'auteur, c'est-à-dire par souci d'objectivité, bon, oui, il le cache. Donc, le on. نقدروا نعرفوه هذا شكون حسب لو سونس تاع لا فراز كي نقولوا اون انفوا دي جون ايديو دو مون اسبيس سو باتر كونتر لي جون كي فولي لا ميم شوز شكون هذا اللي عنده من صلاحياته يبعث دي سولدا وي يحاربوا ضد اشخاص حابين نفس الشيء شكون اللي عنده الصلاحيه سكي شكون اللي يقدر يبعث جنود سكي سي لا فرانس الحكومه لو غوفرنمون فرونسي ليتا وي Donc, qu'est-ce qu'on a également? Andna, le don. Le don, c'est la même chose. Le don, donc, il revient à l'ism li qablou. Hna, algérien, c'est un adjectif, nzdorrohou, oui, un prisonnier algérien. Donc, un prisonnier algérien. Donc, don, il remplace ceci. Allez-y, qu'est-ce qu'on a également? On a lui. Lui, ce qui lui permet de retourner en France. Donc, lui, c'est qui? Oui. Ce qui permet à qui? À Noël de retourner en France. Donc, lui, c'est Noël Favrelière. Les pronoms, les substituts grammaticaux. Oui, on va essayer de faire un cours. Je vais vous expliquer d'une façon parfaite. Allez-y. Donc, la question 11, parmi les propositions suivantes, proposition c'est quoi? C'est les phrases suivantes. Une, seulement, n'est pas fidèle, marahish fidèle, oui, au texte. Wahdabrk, c'est-à-dire rahiralta, elle n'est pas fidèle, le texte. On va l'encadrer, allez-y. Bon. Est-ce que le texte, ça donne les actes barbares, c'est quoi barbare, wahshi, l'afal, l'wahshiya, qui mettent Noël Favrelière, hatto Noël Favrelière hors de lui, c'est-à-dire, est-ce qu'il a parlé de ça, des actes barbares, est-ce qu'il a vu des actes barbares qui mettent Noël Favrelière hors de lui, c'est-à-dire, il n'a pas aimé, oui, hadihadarna aliha. La France s'engage dans une guerre sans merci contre un peuple démuni. La France, França, elle s'engage dans une guerre, oui, une guerre sans merci, yani sans pitié, bidoun rahma, bidoun shafaqa, contre, dud, un peuple, shab, démuni, ma'andouwalu, oui, il est démuni, c'est le contraire de riche. Donc, hadith sahiha. La désertion, je connais le verbe déserter. Déserter, oui, c'est lorsqu'il quitte, lorsqu'il se sauve. Oui, la désertion et engagement. Oui, engagement, c'est-à-dire il s'est dirigé au sein de l'ALN, l'armée de la libération nationale. Donc, Jish Tahrir al-Watani. Donc, hadith sahiha. Noël Favrelière participe à la chasse des Algériens contre son gré. Noël Favrelière participe, cherk, la chasse, Saïd, regardez, Jazaïrien, Dot Eratso, oui. La dernière, regardez, Noël Favrelière découvre, Yektechef, des nouveaux horizons, Efer, Jadida, déchiré par la guerre. Non, il n'a pas vu, il n'a pas chef de nouveaux horizons, etc. Donc, Hadehia, la phrase qui n'est pas fidèle au contenu du texte. Maintenant, l'avant-dernière question. Quelle est la visée communicative adoptée dans le texte? Quelle est la visée communicative ou le but de l'auteur? Bon, Hassina Amrouni, lorsqu'elle a écrit le texte, elle nous a donné des informations à la Noël Favrelière. Qui t'a donné le « il » sans cesser. Noël Favrelière qui a donné le « je ». Oui. Donc, il y a aussi la visée communicative. Est-ce que nous pouvons dire qu'il y a un témoignage? Témoignage, c'est pas un oui, qu'un témoignage. Témoignage, c'est un kateb. Non. Il y a un shahada, qu'un shahada, c'est Noël Favrelière. Chkoul li jabna hadi shahada, chkoul li qaddem hanna, rahi, le kateba. Donc, il y a la visée communicative, c'est quoi? C'est rapporter, jabtna, rapporter,
Oui, le témoignage. Jabtna, le témoignage. Donc, t'as Noël Favrelière. Donc, jabtna un témoignage. Jabtna le témoignage t'as Noël Favrelière. Chier le but, t'as. Chier le but. Allez, jabtna le témoignage t'as Noël Favrelière. Oui, hnaya pour, nous pour lui rendre hommage. Oui, mais t'sais, où j'belle Noël Favrelière, c'est un Français, c'est un militaire français. Il a quitté le côté français, la compagnie tao, oui, militaire. Oui, donc nous rapporter le témoignage de Noël Favrelière pour lui rendre hommage, donc pour lui rendre hommage. Elle a rapporté le témoignage de Noël Favrelière, oui, pour dénoncer, pour dénoncer les crimes de guerre, les crimes de guerre, ou là, les actes pour dénoncer les actes criminels, les actes criminels du colonisateur français. Donc, dernière question, proposer un titre au texte. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, la désertion de Noël Favrelière, oui, et sa lutte au sein du FLN. Voilà. Donc, voilà, avec ceci, on a terminé notre séance. J'espère que vous avez compris. À la fin, je vous dis, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.